Fireball. Hey yo les gens, c'est Zorbi4734. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2. Donc ça c'est une mission, voilà, donc là je viens de rejoindre une mission, je savais pas que ça allait être aussi cool. Donc en fait je vous explique tout, j'ai pénétré un centre spatial, j'ai hacké une fusée et là, qui a décollé, donc là la fusée vient de décoller, là je contrôle un satellite. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Donc hop. Oh putain. C'est un truc de fou. Oh. Ah tiens. Hop. Les bureaux de Bloom sont à Yongsan. Si on leur rendait une petite visite. Problème. Passerelle SML à sécurité adaptative, impossible à contourner. Je pourrais passer des mois dessus sans arriver à rien. Non, Josh, il y a toujours un moyen. Qu'est-ce qui arrive au data center pour une coupure de courant? Leur onduleur prend le relais. Pourquoi? Et s'il ne marchait plus non plus? Moi, je suis en Chine. Le firewall serait désactivé et on se rapprocherait du Delaware. C'est génial, Reg! Faut trop qu'on fasse ça! Justement, vu qu'on part, si t'as rien. Quoi? Désactiver le raisonnement. Hop. Tac. Ok. Ah donc je dois le désactiver plein de fois. Ah ok, d'accord, ok, je viens de comprendre le truc. Tac, on doit tout mettre en rouge, je crois. Ok. Oh, c'est vachement stylé le truc. Tac. Non, c'est pas bon. Voilà, bitch. Donne-moi ça. Ouh. Ok. Ouh, déjà donc. Ok, donc je crois qu'il y a eu un bug au niveau de l'enregistrement. Je crois. Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, Reg? J'ai coupé le courant. Besoin d'autre chose? Reg, la finesse, c'est pas ton truc. J'ai jamais dit que ça l'était. J'ai déjà fait un coup comme ça, Reg. Il y a eu des émeutes. Des gens sont morts. J'espère que ce genre de truc, ça t'inquiète pas. Ok, donc là, ah voilà. Dublin. On va à Dublin. C'est parti. Hop là, on va faire le tour du monde, vous allez voir. On va jeter un petit coup d'œil, histoire de se mettre à l'aise. Attends, faut que je la hack, elle, sa clé, là. Faut que je hack sa clé. Mais c'est elle qui a la clé, là, je vais la hacker. Pirater le terminal, mais ouais, mais elle a une clé, là. Soon.
Ah, parce que peut-être que je peux pas traverser avec les vitres là. Allez, mais suis-le! Putain. Tac. Ok. Et voilà. Ok, donc là je crois qu'on a eu le un mot de passe, un truc comme ça là. Intrusion détectée. Dubaï, on est parti pour Dubaï. On va faire le tour du monde, je vous dis direct, on fait le tour du monde. Regardez-moi ce matos. Range, je suis en train de baver là. Je suis désolé, mais là, je bave tellement fort que j'entends pas ce que tu dis. Tu vas t'en sortir avec leur serveur, Josh. Je crois qu'on devrait se comprendre. Tac. Ouais, donc là on a fait tous les serveurs. Tac. Super. Excellent le truc. Ok. Je crois qu'on... Qu'est-ce qui reste encore? On a accès au Delaware. Quoi? Il a raison, regardez. À nous le Delaware. On va récupérer ce qu'on a dû chercher. Bah dis donc, là, je dis chapeau. Allez, c'est parti. Ok, donc là, je peux contrôler. Oh yes. Un petit... On est sur le point de récupérer les métadonnées de Bloom. Oh putain, c'est énorme, on dirait chez Google, là. Oh, truc de ouf. Oh, putain. Vous avez vu la taille de ce truc? Ça change rien, les gars. Tac. Oh non. Oh non, ça fait chier ça. Ils veulent vraiment que personne puisse accéder. Tac. On va d'abord débloquer tout ça là. Alors ça comme ça. Tac, tac. Un autre. Tac. Un autre. Parfait. Yo Marcus, ça va ou quoi? C'est déjà stressant à la base, mais alors quand t'as du monde qui te regarde. Marcus. Sérieux? Tu vas me faire ça maintenant? Marcus. Hey, vous voulez pas un peu aller vous faire foutre? Ouh, je les ai bien niqués là. Tac. Ah, lui, il est chaud, lui. Tac. Bien, ça fait chier. Tac. Comme ça. Tac. Ça va être parfait, là. Tac. Oh non, putain, il y a encore tout ça, là. Oh, oh mon Dieu. Ok. Hop, on va tout faire ensemble, là. J'ai envie de faire une vidéo, mais vraiment... ensemble quoi. Tac. Attends, c'est comme ça. Il manque ça. Tac. Voilà, parfait. Tac. Ok, donc ça c'est obligé d'être comme ça, donc c'est chiant.
Paf, donc le courant il passe là. Hop là. Tac. Putain, c'est un truc de fou. La sécurité de ouf. Hop, donc ça c'est simple. Ça, pareil. Le dossier va être simple. Avec ça, si ça, tac, on va débloquer ça, on y est presque. Boum, je crois que c'est bon là. Tac, on en a fait un temps record là. Boum, excellent. Oh, joli fond d'écran là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une surprise. Quoi? Attends. Ça a marché? De secondes. Oh. T'as vu ce que j'ai fait? T'en as trop dans le crâne, gros. Drone radio. Ok. Ah putain, ça devient de plus en plus intéressant, le jeu. Franchement. Je vais pas vous faire tout le temps des let's play sur chaque mission. Sinon, il y en aurait vraiment beaucoup trop. Je vais vous faire des missions importantes comme ça, quoi. Ok. Les gars, regardez. Va falloir un temps fou pour tout éplucher. Il faut qu'on trouve pourquoi ils utilisent des satellites. Ray, t'inquiète, je suis déjà dessus. Donc il y a Raymond Kenny qui vient de Watch Dogs 1. C'est un backbone. Un backbone par satellite? Et la latence, ils peuvent pas arriver à égaler le débit de la fibre optique. Si les données sont exactes, c'est déjà le cas. Bloom a réussi, ils ont plus besoin de câbles sous-marins avec leur satellite. C'est un vrai bond technologique. Okay. Si ça marche, les hackers mettront des années à rattraper le retard. Bah pas nous. On est déjà dedans. Et il y a qui parmi les clients de Bloom? Alors on a Noodle, on a Invite, on a Tidis, on a Galilei. Il y a même le gouvernement et jusqu'à la bourse de New York. Attends, ça veut dire que toutes ces entreprises ont accepté de faire passer leurs données via Bloom? Ok. Ces données entre les mains de Bloom, ils vont avoir le monopole le plus puissant au monde. On peut pas détruire le backbone? Non, et même si on pouvait, on a besoin de réponses. Hey, tout le monde, écoutez-moi. Notre boulot est loin d'être terminé, mais avec ça, au moins, on n'est pas largué. Alors, prenez une cible. Invite, Tidis, ce que vous voulez. Et creusez, cherchez les trucs qui sont pas censés faire, ok? Dushan veut faire de nous les méchants. On va lui montrer ce que c'est que d'être en guerre avec DeadSec. Ouais. Ok, donc là on a hacké Bloom. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu le sais très bien. J'ai grillé ta petite combine. Je veux pas que tu utilises Marcus dans ta guerre personnelle contre Bloom. Pourquoi tu me sors toutes ces conneries? Je suis au courant pour Raymond Kenny et ses fameux dommages collatéraux. On s'utilise les uns les autres ici. Ça a toujours été le deal, Citara. Marcus, c'est un grand garçon. Il sait se débrouiller tout seul. Mm-hmm. Bien sûr. Non, Raymond Kenny, c'est un vrai. Chelou. Il est sympa, Raymond Kenny. Attends, c'était le pote de Eden Pierce. S'ils se s'en souviennent sur Watch Dogs 1. Donc. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Trouvez-vous que la société soit juste? Vous considérez-vous libre? Vous faites confiance à la démocratie et vous pensez que votre voix compte? Mais les entreprises possèdent les politiciens et contrôlent les élections. Croyez-vous au pouvoir du marché libre? La bourse n'est rien d'autre qu'un spectacle de marionnettes pour les riches. Votre argent est contrôlé par des gens dont vous ne savez rien. Pensez-vous que le gouvernement vous protège? Au contraire, le ministère de la Défense protège le gouvernement contre vous. Ne nous croyez pas sur parole.
Rejoignez-nous pour notre plus grande opération et voyez par vous-même. Les fondements de la politique américaine sont mensongers. La démocratie, le marché libre, la sécurité nationale. DedSec vous révélera la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Ok. Oh. Ouais, cool. Vraiment cool, vraiment cool, vraiment cool. Ouh, on a gagné vraiment plein de followers. Là. Mes plans, oh là là. Super, je vais faire plein de trucs là. Je vais me faire la compétence avec vous. La tension monte à l'approche des élections. Truss. Putain, ils ont même mis Trump dans le jeu quoi. Non, contrôle à distance. Tiens, on va faire ça vu que j'ai acheté mon connerie copter là. Donc, ouais, on va améliorer ça. Parce que ça sert toujours la batterie en plus. Donc. Voilà. Malgré de nouveaux candidats très intéressants, l'actuel membre du Congrès, Mark Truss, est largement donné vainqueur. Les sondages en ligne semblent indiquer qu'il gardera son siège avec une majorité écrasante. Super. Marcus, Josh est en train de décortiquer les données de Galilei et il aimerait te montrer quelque chose. Cool. Quel genre de truc au juste? Rentre dès que tu peux. Ça pourrait être énorme. Ok. Ben super. Donc les gens, si vous voulez voir la mission là que je vais faire, et ben, faudra acheter le jeu parce que moi je montre que certaines missions. Donc ciao les gens, à la prochaine et abonne-toi. Ciao.